La délégation du groupe Perenco, producteur du pétrole à Mwanda dans le Congo central, a été reçue par le Premier ministre Sami Badibanga. Conduite par son directeur général Benoît de la Fouchadière, elle s'est faite l'obligation de présenter au chef du gouvernement sa situation de 15 ans d'exploitation en termes de production pétrolière, de sécurité environnementale et juridique, de responsabilité sociale et ses perspectives d'avenir. L'importance que nous avons dans la vie quotidienne des habitants de Mwanda et l'importance que Mwanda a pour nous, et comment cela peut se conjuguer au présent et au futur. Répondant à une question de la presse sur l'implication de Perenco dans la stabilité du prix du litre à la pompe, Benoît de la Fouchadière a différencié le rôle d'un investisseur producteur, d'une raffinerie et d'un distributeur. Dans la chaîne pétrolière, il y a les gens qui sont très en amont de la chaîne, qui font de l'exploration pétrolière. Il y a les gens un peu moins en amont comme nous qui faisons de la production pétrolière. Après, il y a les raffineurs et après, il y a les distributeurs. Donc chacun dans sa chaîne fait son travail en suivant les règles établies par le gouvernement. Et après, il faut que l'ensemble soit mis en musique. Nous, en tant qu'investisseurs et producteurs de pétrole au Congo, nous faisons notre travail évidemment au meilleur coût, suivant les conditions qui sont établies. Et après, il ne nous revient pas de définir comment ça se passe au niveau de la raffinerie ou au niveau de la distribution. Le groupe Perenco se veut proche de la population de Mwanda. Le directeur général de cette entreprise pétrolière a décrit plusieurs actions entreprises en faveur des populations riveraines, dont notamment un parc agroforestier, la fourniture d'eau potable à travers le forage des puits ainsi que l'électricité.